Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing partenariat avec le site GBFKE. C'est mon deuxième partenariat avec eux et j'ai trois articles de Diamond Painting à vous présenter et ce sont trois objets spéciaux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai pas les dates exactes mais environ une quinzaine de jours. Et ouais, c'est parti, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, je mets tout sur le côté pour pas vous spoiler. Hop là. Allez, c'est parti, on commence avec le premier article qui est un sac à diamanter. C'est marrant, hein. On n'en voit jamais sur ma chaîne. Voilà, alors, à chaque fois que qu'on me propose un partenariat et que je vais du coup fouiller sur les sites pour choisir ce que je vais prendre, d'ailleurs, j'y passe souvent longtemps parce qu'à chaque fois, j'essaye de regarder toutes les rubriques. Je ne peux pas m'en empêcher pour pas louper à côté d'un truc, enfin, pour pas passer à côté d'un truc qui aurait pu me plaire. Et donc, du coup, à chaque fois, l'une des premières choses que je fais, c'est aller dans la catégorie des sacs. Parce que j'en ai déjà pas mal, il en existe encore plein d'autres, mais j'ai déjà ceux qui me plaisent le plus. Et celui-ci, je dis pas que c'est nouveau, hein. Il existe peut-être depuis super longtemps, mais je l'avais en tout cas, moi, jamais vu. Voilà, et quand je l'ai vu, j'ai dit, il est trop beau, je le veux. Voilà, alors c'est une sacoche avec une chaînette. Je vous dis tout de suite les prix. Donc c'est un sac en cuir qui vaut 11,34 € et qui fait 19 cm sur 17 cm. Mais on va vérifier tout ça. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les sacs. Je colle de partout. Je viens de faire un unboxing avant avec une toile qui collait sur le côté. Alors, j'adore... voilà, ils sont... Vous le voyez, ils sont parfaits, quoi. J'adore les sacs qu'on reçoit en cuir. Il y en a sur différentes tailles. Il y en a même une autre sorte de sac avec deux anses dans un effet cuir glissant, brillant. Et j'aime beaucoup. Regardez les finitions. Elles sont parfaites. On est sur des sacs vraiment, je trouve, de qualité. Voilà. Ça s'ouvre très facilement. C'est pas... on sent que c'est pas, vous voyez, un truc à deux balles, que quand on ouvre, c'est hyper fragilisé. Non, non, c'est... Franchement, je trouve, à chaque fois, je suis pas déçue des sacs en cuir. Ils sont vraiment de superbe qualité, quoi. Donc, vous voyez le modèle. On a l'air d'avoir des gros diamants spéciaux. Alors... Par contre, on va pas parler trop vite au niveau de la... Attendez. Voilà, alors ça, c'est un petit problème qui s'est passé, mais c'est pas grave parce que... Attendez. Voilà, bon déjà, on va vérifier si ça colle bien. Ça colle très très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs, mais je pense... Ce serait bête, hein, je trouve. C'est qu'ils ont cousu le plastique de protection avec les coutures du sac. Donc ça m'est déjà arrivé sur une boîte. Donc, c'est peut-être fait exprès, hein, vous allez me dire. Vous voyez, quand on tire, eh ben, on arrive à récupérer. Et après, vous voyez, c'est tout, hein, il n'y a plus de morceaux de plastique coincés. C'est peut-être fait exprès, je sais pas, franchement. Mais j'ai déjà eu le tour avec des coutures qui sont bloquées dans le film protecteur. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu plus long et chiant à retirer. Mais au final, le résultat est le même. Alors, on reçoit... Notre toolkit avec barquette, stylet et pain de colle. Et on a notre fameuse chaînette couleur or qui mesure 1,20 m. Donc vous voyez, c'est une sacoche qu'on peut mettre par au-dessus de l'épaule si vous l'utilisez en sac à main ou en petit sac de plage, de ce que vous voulez. Enfin, quand je dis de plage, je suis d'accord, on ne met pas une serviette là-dedans. Ou alors les serviettes spéciales là qui font la taille d'une éponge et qu'ensuite ils grossissent. Enfin bref, on met pas un seau, une pelle et un râteau pour son enfant. Hein. Mais quand je dis en sac de plage, c'est en sac pour mettre une petite carte bleue, des petits sous et puis un téléphone, quoi. On peut même mettre un encoff, enfin des papiers. Il y a quand même une belle taille. Voilà, donc la chaînette en or, couleur or plutôt, parce que si elle serait en or, j'achète 20 sacs et je les revends, je vous le dis, moi. Alors, la chaînette couleur or et notre toolkit, je vais tout remettre. Hop.
Voilà. Et ensuite, forcément, eh ben, on a nos petits diamants. Voilà, donc des sacs comme ça, j'en ai un qui est déjà diamanté. J'ai pas mis la chaînette dessus parce que je m'en sers pour mes coloriages, pour mettre des stylos, etc. Donc un stylo passe, hein. Vous voyez, un stylo ça passe. Donc vous pouvez même mettre du matériel pour vos coloriages. C'est la fameuse, le fameux sac, enfin l'autre modèle, où j'ai renversé toute, mais toute, mon essence sans odeur à l'intérieur. Voilà. Et puis j'en ai peut-être une ou deux que je dois encore diamanter, mais je ne sais plus si c'est exactement le même modèle. Voilà, donc on a des superbes diamants noirs comme ça, du marron, du bleu turquoise, de l'argenté, un autre bleu, et ensuite, voilà, on a des sphères plus grosses. Voilà, et j'ai beaucoup aimé sur ce sac-là, c'est les mélanges de bleu et d'argenté, et les grosses sphères et la grosse fleur bleue. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu, et j'ai dit, bon, celui-là, je me le prends, surtout que... Bah, j'aurais besoin de rangement pour mes activités manuelles, donc je sais qu'il va me servir. Il faudrait que je fasse mes sacs à diamanter. Alors, il faudrait, vous savez, que je fasse la semaine du sac et que tous les soirs, je diamante un petit sac parce que je commence à en avoir pas mal en stock. Je sais pas, peut-être 5 ou 6 en stock, mais du coup, j'en ai besoin pour mes activités manuelles, vraiment. Donc, il faudrait que je les diamante et puis comme ça, je pourrais m'en servir. Alors, je sais pas pourquoi je sors mon stylo. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va quand même juste le mesurer rapidement. Donc, il est censé faire 19 cm. C'est bien ça, pile poil. Sur 17. Et... Alors. Voilà, c'est à peu près ça. Un petit peu moins de 17 ici. Et ici, on est censé avoir 2 cm. Et moi, j'en ai 3,5. Mais... Ah non, je dis 2 cm, mais je suis bête. J'ai même pas écrit 2. J'ai écrit 19 x 17. Ouais. Non, c'est sur un autre sac qu'il y avait les... C'est sur le sac que je vais vous présenter juste après, les 2 cm. Donc là, vous voyez, on a 3,5. Sachant qu'il est pas rempli, quoi. Bon, c'est pas forcément des informations qui sont toujours intéressantes pour tout le monde. Mais celui qui recherche un article bien précis, avec une taille bien précise, et il veut savoir si, par exemple, son téléphone Max Plus va passer dedans, bah, au moins, vous avez les mesures. Voilà. Allez, on passe au deuxième objet spécial, qui est aussi un sac à diamanter. Alors, à la base, je ne voulais pas prendre celui-ci. Je voulais prendre un autre modèle parce que, en fait, c'était un autre modèle où il y avait deux sacs. Il y avait deux, c'était un lot de deux, pas trop cher. Et je m'étais dit, ça peut vous intéresser. Et c'était aussi avec des cœurs. Sauf que c'était plus en stock et ils m'ont fait choisir un autre modèle. Donc, du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc là, il n'y a qu'un sac, mais les prix sont corrects. Il est à 6,49 €, vous voyez. Et vous allez voir qu'on a beaucoup à... Je vois qu'on a beaucoup à diamanter. Voilà. Donc j'ai vérifié sur internet, ce sont des sacs en matière coton. Voilà. Et c'est des sacs bah, comme ça en tissu qu'on peut servir pour faire nos courses et pour ranger. Ça c'est super. Ça c'est une idée qui vient de Catherine pour ranger ses points de croix. Enfin, je dis une idée qui vient de Catherine, mais ça se trouve Catherine a eu l'idée à quelqu'un d'autre. Hein, je sais. Venez pas m'engueuler dans les commentaires, hein. Mais je l'ai vu sur la chaîne à Catherine, voilà. Catherine, elle met ses encours de points de croix dedans et j'ai trouvé ça une superbe idée de mettre de sa toile, ses fils, une paire de ciseaux. Et puis voilà, à chaque fois qu'on sort un encours, on sort le sac qui va avec. Et franchement, très bonne qualité, hein, je trouve. C'est bien épais, super bien cousu. C'est plus solide que les sacs de course. Vous savez, maintenant, ils font des sacs recyclables, enfin recyclés, qu'on peut acheter en magasin. C'est plus des sacs en plastique, c'est des sacs en tissu. C'est plus épais et plus qualitatif, je trouve, hein, que ceux qu'on a en magasin. Et je crois qu'on a des diamants cœur. On a un film plastique qui recouvre. Ça colle très, très bien.
pas taché du tout, pas de couture qui partent à droite à gauche. Franchement, c'est propre, c'est nickel. Et voilà, ça c'est Isa en ce moment, elle parle de sac de plage, mais ça, ça peut être très bien pour un sac de plage. Là, vous pouvez glisser une serviette, enrouler un encas, un porte-monnaie, un téléphone, un petit bouquin. Franchement, il y a la place. Donc, les dimensions d'ailleurs, justement, ça fait 35. On vérifie, mais vraiment rapidement. J'ai pas envie de passer 3 heures à mesurer, mais... C'est pour vous aussi, hein, parce que je sais que les mesures, ça intéresse pas tout le monde. 35 cm sur 30 cm. Voilà. 35 cm sur 30 cm. Et on a deux petites anses comme ça. Et je vais vous faire voir le cœur de plus près. Et on a l'air d'avoir des diamants spéciaux très intéressants. J'ai hâte de voir tout ça. Et le résultat qu'on voit sur le site, franchement, il est super beau. Alors, on a ici notre petit tableau pour se repérer parce que forcément, ce sont des symboles où il n'y a pas de numéro. Donc, on se repère. Hein, bah, ce symbole-là équivaut à la couleur numéro 6. Donc, ça, surtout, il ne faut pas le perdre. On a notre toolkit avec un stylet, une barquette et un petit pain de colle. Et on a le plus intéressant. Non, oh là là, mais il n'y a pas que des cœurs, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on a des sphères blanches et des diamants cristaux. Vous voyez des très beaux roses et violets. Celui-là, il est très beau aussi. Et du noir. Et alors là, on passe au plus intéressant. On a des mini-gouttes. Alors, tout le monde, quand ils voient ça, ils disent « Oh mon Dieu, moi, je suis trop contente quand je reçois ». Je suis tarée. Hein. On a des mini gouttes et ça, quand on le fait à la pince et puis qu'on y va précisément, franchement, ça se fait bien, je trouve. Forcément, c'est plus précis, mais regardez, on a des cœurs, des petits cœurs argentés. Regardez, oh là là, des roses. C'est la première fois que je reçois un truc avec plein de diamants spéciaux que j'adore tous se réunir en même temps. D'habitude, j'ai soit que des roses, soit que des cœurs. C'est très rare que je reçois des roses. Hein. Et les cœurs, j'en ai jamais reçu, je crois, des comme ça. Des gros cœurs roses comme ça. Donc, vous imaginez tous les cœurs comme ça qui pendent bah, du cœur. Et puis, les roses. Bah, j'avais même pas vu les symboles des roses. Et puis, les roses. Et il y en a quand même pas mal à poser. Hein. Franchement, trop, trop beau. Et les mini-gouttes, elles sont où? Mini, mini, où es-tu? Voilà, il y en a ici, ici... Ici, ici, voilà. Donc, ça va être ça, ici à l'intérieur de la fleur, ici. Il y en a pas mal. Donc là, franchement, celui qui aime bien le rose et celui qui aime bien les diamants spéciaux, allez-y. Voilà, c'est vrai que des fois, les sacs que je prends, les sacs qui vendent, c'est quand même souvent à partir d'une dizaine d'euros. Donc, c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie de mettre ce prix-là. Mais quand bien même que, comme je dis, même si c'est 10 euros, bah c'est un sac, quoi. Donc, après, on l'utilise. Et puis, en plus de ça, on le diamante nous-mêmes. Mais par contre, ça, c'est plus abordable, je trouve, à 6,49 €, franchement. Et je trouve que c'est de très bonne qualité. Donc, ouais, ça, c'est pas mal. Et j'essayerai la prochaine fois si je trouve... Enfin, si, parce que souvent, c'est en rupture de stock. Donc, à mon avis, ce produit-là, il doit énormément plaire. C'est bah, pareil, un sac comme ça, avec un cœur. Mais il y a deux sacs dans le même lot avec deux cœurs un petit peu différents et pareil des prix pas trop chers, donc ça à mon avis ça plaît beaucoup. Et il me semble que Catherine elle avait pris avec les deux voitures, mais à la base elle voulait les deux cœurs, mais il n'y avait plus en stock. Il doit y avoir une histoire du genre. Hop, voilà. Donc super beau ce petit sac, franchement. Je suis bien contente. Je vais le ranger après. Dernier article que je vais vous présenter. Je ne voulais jamais présenter sur ma chaîne. Et là, j'ai eu une touquette, comme je dis. Et j'ai eu envie de tester. Ce sont des thés d'oreiller à diamanter. Et je me disais, un oreiller avec des diamants, ça ne doit pas tenir beaucoup. Mais au final, je me suis dit, Mallory, tu diamantes bien des sacs. Et des sacs, c'est pareil, on les travaille à droite, à gauche.
Et une fois que c'est bien verni, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de problème de diamant qui se taille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une taie d'oreiller? Surtout que bah, c'est pareil, des diamants pour mettre sa tête, c'est pas forcément très confortable. Mais tout simplement comme oreiller de déco pour le canapé, ça peut être super. Surtout que j'ai un vieil oreiller violet bah, de cette taille-là qui traîne à la maison, qui est propre, hein, que je lave régulièrement, surtout avec mon fils. Mais c'est un oreiller déjà qui est vieux, il n'est pas très confortable parce qu'il forme des boules à l'intérieur. Et puis il y a des taches qui partent plus. Enfin voilà, c'est l'oreiller pas super. Et je me suis dit, bah, c'est l'oreiller qu'il faut justement protéger avec une tête d'oreiller. Et même si cette tête d'oreiller-là, à la fin, elle n'est pas très confortable due au diamant, quand bien même qu'on peut le retourner pour poser sa tête. Mais au moins, ça sera un oreiller, voilà, de décoration, vous savez, pour mettre dans un canapé, pour décorer son canapé, ça peut être super. Waouh, plein de diamants spéciaux. Ah, bah non, mon oreiller, il va pas passer. Mon oreiller, il va pas passer, il est plus grand que ça. Donc, les mesures, c'est 30 cm sur 30 cm. Comme ça, vous vous repérez, si vous avez un oreiller, vous savez. Ça s'achète sûrement en... À Action ou quoi, hein. Mais il me semble qu'un petit oreiller c'est un peu plus grand, non? Non, il existe forcément des oreillers de cette taille. Je sais pas, moi j'ai plein de grands oreillers à la maison, mais des petits oreillers j'en ai pas. C'est vrai qu'il faudrait que j'en achète, mais j'en ai pas. Pourtant, je commande des taies d'oreiller point de croix, des taies d'oreiller de DP, mais j'ai pas d'oreiller. C'est super, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai les taies d'oreiller. Voilà, donc déjà, j'ai beaucoup aimé le fond un peu. Un peu style univers, vous savez, avec tous les petits points blancs, bleu, violet, style la galaxie, on va dire. Et le cœur au milieu à diamanter. Et vous le voyez, il y a plein de diamants spéciaux. Oh là là. Donc déjà, derrière, c'est tout tout doux. Regardez la matière. C'est un peu une matière, je dirais, tu sais, vous, enfin, tu sais. Vous savez, un peu style les polaires. Un peu ce toucher-là, vous voyez. Donc... Au niveau de la braguette, non, de la fermeture, voilà, pas de souci, ça s'ouvre et ça se ferme très bien. Voilà, on a un intérieur normal. Notre film plastique, ça colle très bien. Ouais, super. Alors, j'essaye de bien le remettre. Voilà. Oui, on va le mesurer ensemble quand même. Parce que c'est censé être 30 sur 30. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que 30 sur 30. Ça se trouve, derrière votre écran, vous étiez en train de mesurer votre petit oreiller. Bah, vous voyez, on a... Alors, on a 30 et demi, un peu plus de 30 et demi. Sur... Presque 30 et demi. Tout en sachant que ça doit quand même être du 30 sur 30, parce que là, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, du coup, forcément, on perd un petit peu de taille. Donc, je pense que oui, c'est vraiment pour mettre des oreillers de 30 sur 30, quoi. Voilà. Et ça peut être super. Donc, c'est bien des oreillers, vous voyez, c'est pas un oreiller pour dormir, hein. C'est bien un oreiller, c'est petit, ça peut être super beau aussi. Bah, dans son salon de jardin ou dans son balcon, les gens qui mettent des petits canapés avec des petits oreillers, vous voyez, enfin, vous savez, les sièges en oseille, par exemple, avec deux coussins qui forment un canapé, ben, de mettre un oreiller de chaque côté diamanté, ça peut être super canon. Ou dans un petit fauteuil, dans un bureau, les personnes qui ont des clic-clacs quand ils reçoivent des amis, bah, quand le clic-clac il n'est pas déplié et qu'il est en canapé, on ne se sert pas forcément du canapé parce que c'est le bureau chambre d'amis, et ben on peut mettre deux oreillers de décoration, enfin voilà, des d'oreiller quoi. Et on a aussi notre tout le kit de base, on a les sachets zip en plus. Et alors là. Je suis en train de me dire, on n'a pas de feuilles, mais là c'est normal. Vous voyez, là les numéros sont écrits dans les diamants, dans les emplacements des diamants. D'ailleurs, regardez de plus près ce beau modèle en forme de cœur avec à l'intérieur plein de formes de ronds, de fleurs, de rosaces. Enfin, et puis forcément plein de couleurs. Et il est beau. Il est trop beau. Je ne sais même pas si je vous ai fait voir ça. Je ne sais même plus. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Il est vachement mignon.
Alors, il existe plein de modèles et ça, c'est pareil. Il existe des modèles de Noël. Donc, je sais qu'on n'est pas aux périodes de Noël, mais... Je m'arrête de parler puisqu'on ne m'entend pas quand, quand je joue en même temps. Je sais qu'on n'est pas aux périodes de Noël, mais voilà, pour les périodes de Noël, bah, mettre des oreillers de décoration. Les têtes d'oreiller, on peut juste les enlever et puis les ranger avec nos trucs de Noël quand Noël est fini. Ça peut être vraiment pas mal. Alors, oh lolo lolo. On a des diamants cristaux. Voilà, je vous laisse regarder. Et on a, mon Dieu, énormément de diamants spéciaux. Alors là, pareil, hein, si vous aimez les diamants spéciaux, faites-vous plaisir, regardez ces longs œils de chat. Voilà. Bon, je vous laisse regarder. Je vous dis pas à chaque fois. Hop. Des sphères blanches. Après, je me dis que c'est vrai qu'il y a des personnes qui comme moi, hein, qui mettent des vidéos et qui regardent pas forcément qui font leur vaisselle, etc. Mais qui écoutent. Moi, c'est régulièrement ce que je fais. Ou qui font du DP, donc qui écoutent. Voilà, des sphères. Ici aussi, on a des sphères. Débo a envoyé une photo. Je regarde ça après, Débo. Je reçois des messages en même temps. Des petites sphères turquoises. Des diamants roses. Voilà. Ils sont très beaux, les diamants spéciaux. J'adore. J'adore ce rouge-là. Nacré que j'ai déjà reçu en orange, en bleu. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ces diamants-là. Voilà. Des sphères roses. Des gouttes couleur or, on va dire. Or ou argenté? Or. Argenté, c'est le côté plat. Et on a des grosses sphères en or comme ça qui sont magnifiques. Franchement, trop beau. Donc, autant vous dire que si vous vous endormez sur cet oreiller, vous allez vous réveiller avec des traces de diamants partout sur la joue et sur le front. Ce serait une mauvaise idée. Mais vous le retournez et vous dormez sur la partie douce. Et quand vous vous réveillez, hop, on remet la partie déco. Ça, c'est très beau, c'est très bien comme idée. Voilà. Alors, cet oreiller, il vaut 7,49€. Eh bien, écoutez, je trouve que ça va les prix, franchement. 7,49€ pour cette belle tête d'oreiller. Et on a plein de diamants spéciaux, donc c'est génial. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai présenté tous les articles que j'avais à vous présenter dans cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous mets bien sûr les liens des articles dans la description. Les liens du site GBFKE. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye !